Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour Jésus? Amen. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Chantez, tu es digne. D'être chanté, tu es digne d'être acclamé. Chanter, tu es digne d'être chanté. Oh, acclamé, tu es digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Amen. Il est le seul qui soit digne de notre louange. Amen. Merci pour ta présence. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. On va lire d'abord Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et nous lirons aussi Apocalypse 5, verset 10. Pendant que tu as ta Bible ouverte, on va chanter pour prier d'abord. Parle-nous, Seigneur, ô Jésus. Parle-nous, Seigneur. Chaque jour, par la force du Saint-Esprit, Amen. Oh, chaque jour.
céleste. C'est encore un privilège pour nous que d'être ici, Seigneur, rassemblés avec confiance que toi, le Saint-Esprit, tu ne nous laisseras pas. Tu nous as amenés ici pour un but. Nous voulons que le but pour lequel tu nous as amenés soit accompli. Et ce but, nous le connaissons. C'est l'écoute de ta parole. Et toi, tu ne parles qu'aux hommes à travers un homme. Tu utilises toujours l'homme comme intermédiaire. Alors, rassemblés ici, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que par toi la parole sorte et qu'elle puisse édifier le cœur de chacun de nous. Que ton esprit, Seigneur, vienne dans cette salle et qu'il s'exprime. Viens bénir ton serviteur. Parle à travers lui, Père, pour le bien de tes enfants. Oins l'interprète, oins l'église, que chacun de nous puisse aller dans le lieu céleste pour voir la même chose. Béni sois-tu, Seigneur, alors que nous te confions toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons-y, verset 6. Ta Bible ouverte. Le verset 6 d'Apocalypse, chapitre 1. On va lire seulement un seul verset. Et au chapitre 5 aussi, nous lirons un seul verset. Allons-y tous. Verset 6, Apocalypse chapitre 1. 1, 2, 3, allons-y. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons-y dans Apocalypse 5. Le verset 10. Vous êtes là? Allons-y. 1, 2, 3. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole. Pouvez-vous asseoir. Prenez aussi Genèse, chapitre 4, le verset 3 à 6. Genèse, chapitre 4, le verset 3 à 6. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Amen. Et de leur graisse. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et toi domines sur lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement sa parole et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Je vais vous lire une citation de Frère Branham. Dans l'Église et sa condition, au paragraphe 6. Que Dieu te bénisse, mon frère. L'Église et sa condition au paragraphe 6. Frère Branham parle ici des Canadiens qui
se bousculaient pour venir écouter la parole. Frère Branham dit, ainsi, les Canadiens là sont très fidèles pour aller à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ressembler aux Canadiens? Ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'enveloppent d'une couverture. Frère. Là, on parle des blancs. Ils s'enveloppent d'une couverture. Et sur un traîneau tiré par un cheval. Amen. Amen. Il parcourt une cinquantaine de kilomètres. Les Canadiens, pour venir à l'église, ils parcouraient 50 kilomètres. Donc, celui qui quitte 45 était plus proche que les Canadiens. Donc, tu devais quitter après 45. 15 kilomètres après 45. Jusqu'au Mont Carmel. Voilà la distance que faisaient les Canadiens. Quelqu'un est en train de suivre ça? Frère Branham dit, il parcourait une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Il traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste, jeunes et vieux. Pour le salut, il n'y a pas d'enfant. Pour le salut, il n'y a pas de vieillard. Mon âme n'est jamais vieux. Mon âme n'est jamais petit. Il n'y a pas l'âme des petits enfants. Il n'y a pas l'âme de grandes personnes. L'âme, c'est l'âme. De toutes les façons, au ciel, nous aurons tous le même âge. Abidjan et moi, même âge. Et sa maman, même âge. C'est ça le ciel. Voilà pourquoi le sérieux doit être vraiment approfondi dans nos cœurs. Il n'y a pas de petites âmes. L'âme reste l'âme. Écoutez ça. Frère Branham dit, il dit, il commence à marcher. Non, il traverse les amoncellements de neige, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous pour ne pas aller seuls. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Que Dieu mette cet esprit dans notre église. Pour venir à l'église. Makingandi. Bonikuna. Ngonga Ekoki. C'est l'heure. Nous devons partir. Jésus nous attend. Voilà comment on vient à l'église. Une famille va chercher l'autre. Ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. Et ils commencent à marcher. Branham dit, c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent de la réunion. Très bien. Amen. C'est le sacrifice que tu fais qui te donne quelque chose dans la réunion. Que Dieu bénisse vous tous ceux qui avez sacrifié quelque chose. Ce que tu reçois à la réunion dépend du sacrifice que tu as fait. Il y a des gens qui ont vu le soleil, il s'est arrêté à la maison. Mais toi, tu as vu ça, tu as dit, je monte. Malgré le soleil, malgré l'occupation. Aujourd'hui, beaucoup de West Africains ont chassé les gens dans leurs boutiques.
à 12h. Parce que c'est l'heure de la prière. Avec ton argent, il dit va dehors. Où tu m'attends, où tu vas. Parce que j'ai un Dieu à adorer. Si un musulman peut croire son Dieu jusqu'à ce point, combien de fois moi qui a reçu un prophète confirmé, que Dieu bénisse vous les sacrifiés, vous qui avez sacrifié quelque chose. Vous savez, il y a de ces fois quand vous laissez quelque chose partir pour aller à l'église, à votre retour vous trouvez la chose. Amen. Il y a beaucoup de foi. Oh non, je devais faire ceci. Va d'abord à l'église. Amen. Parfois, c'est le diable qui amène ce client-là. Parce qu'il connaît qu'à l'église, tu vas recevoir plus que ce client. Jésus dépasse mon travail. Jésus dépasse ma maison. Jésus dépasse mes affaires. Est-ce que vous suivez ça? Jésus est au-dessus de tout. Écoute ça. Il dit ceci. Il dit, quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Est-ce que tu suis ça? Quand il n'y a pas de sacrifice, quand ton sacrifice n'est pas grand pour un culte, tu ne reçois aussi rien. Il doit avoir un grand sacrifice pour que tu reçoives aussi une grande chose. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont sacrifié quelque chose. Et je sais que vous êtes là. Je pense à Sœur Kouaï, à Frère Kouaï, à Frère Orifel, le Frère Sorel, et tout le monde là-bas aux États-Unis. Ils suivent parfois avec des écouteurs. Parfois c'est l'heure d'aller au marché. Parfois c'est l'heure de faire les courses. Ils arrêtent tout jusqu'à ce que le culte termine. Que Dieu leur donne quelque chose de la réunion. Hein, la sœur Wamba en Finlande, parfois ils suivent dans le métro en train de rouler. Les frères David sont au travail, ils ont les écouteurs, mais toi tu es assis là. Combien de fois ton attention devait être grande? Et ce qui me plaît avec eux, c'est qu'ils ne ratent aucun mot qui sort de ma bouche. Chaque mot que je prononce, ils écoutent ça. Que Dieu leur fasse tirer profit de toutes les réunions. Que Dieu les bénisse. Quand on sacrifie quelque chose de grand, on tire aussi quelque chose. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Madame dit, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Il y a des fois tu dois abandonner quelque chose qui fait très mal à cause de l'église. Voir mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail. Je n'ai pas écouté un amen. Arrêtez votre travail et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église. Tu arrêtes un peu de choses. Mon ami, vous savez, aujourd'hui nous venons à l'église. Un jour il n'y aura plus l'église. Il n'y en aura plus. Les gens vont venir chercher l'église. Ça sera fini. Dieu a dit un jour à Élie, mange. Élie a mangé avec légèreté. L'ange a dit, mange, car le chemin est long. Et que le Mont Carmel mange. Ouvrez vos estomacs. Ne dors pas à l'église.
C'est pas un dortoir ici. C'est l'endroit d'écouter la parole. C'est l'endroit de recevoir le message. Là où tu es assis, que le message rentre dans ton cœur. Tu dois être attentionné. Tu dois être prudent. Dans chaque mot, il y a Dieu qui te parle. Dans chaque phrase, il y a un message. Frère Banam dit, vous devez arrêter certaines choses. Arrêtez votre travail. Ceci ou cela. Pour aller à l'église. Et montrer à Dieu que vous l'aimez. Vous qui êtes venu ce soir, vous avez montré à Dieu que vous l'aimez. Que Dieu vous bénisse. C'est sorti de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire autre chose à ces heures-ci. Mais vous avez sacrifié tout. Vous avez montré à Dieu que vous l'aimez. Oui, vous l'aimez. Les mamans, vous l'aimez. Les papas, vous l'aimez. Votre amen est faible. Vous l'aimez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur? On pouvait dormir à ces heures-ci. Combien de personnes sont en train de dormir dans leur maison? Mais toi, tu n'as pas voulu dormir. À cette heure-ci, tu as dit, il y a quelque chose qui m'appelle. C'est le moment pour moi d'aller m'asseoir et recevoir les instructions de la parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu écoutes la parole, c'est la vie que tu reçois. Quand tu écoutes la parole, c'est ton âme qui est transformée. Quand tu écoutes la parole, c'est la libération de ta vie. Quand tu écoutes la parole, c'est Satan qui te lâche. Quand tu écoutes la parole, c'est le ciel qui vient vers toi. Quand tu écoutes la parole, c'est l'enlèvement qui rentre dans ta chair. Quand tu écoutes la parole, c'est le septième sang qui s'ouvre. Quand tu écoutes la parole, la maladie n'a plus de place. Quand tu écoutes la parole, ta maison est protégée. Quand tu écoutes la parole, Satan se tait. Quelqu'un peut donner un grand amen? Oui, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Surtout vous qui venez mercredi et vendredi. Et ceux qui suivent là-bas. Oh là là. Je pense que parmi ceux qui viennent vendredi et dimanche, la majorité sera sauvée. La majorité. Ce que je dis est profond. Frère Branham dit, Akab a rétrogradé. Parce qu'il ne venait plus mercredi et vendredi à l'église. Le frère Branham dit, le véritable chrétien, tu le trouves mercredi et vendredi. La vraie église, c'est celle qui est là mercredi et vendredi. Ce sont les gens qui ne quitteront pas l'église. Parce que quelqu'un à parler. Ils ont un attachement réel. Et c'est à eux que je donne la vie ce soir. Reçois la vie. Reçois ta santé. Reçois le Saint-Esprit. Reçois ta délivrance. Reçois l'amour de Dieu. Reçois toutes les bénédictions. Je sais ce que vous endurez. Parfois il y a des gens qui n'ont pas préparé. On va les préparer après le culte. Que Dieu pense à ta vie. Que le sacrifice que tu fais ne soit pas vain. Reçois plus que la nourriture. Et même quand tu vas préparer, que Dieu fasse cuire la nourriture là rapidement. Alléluia. Oui, monsieur. Les marmites, on a mis, allez, fananan. On a mis l'assaisonnement dans quelle église? Quand je vais revenir.
Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse aussi les frères qui ne font pas de complications. Parce que madame prépare après le culte. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les enfants qui comprennent. Recevez toutes les bénédictions de votre sacrifice. Tu as fait un sacrifice. Reçois la bénédiction. Tu vas tirer profit de cette réunion. Parce que tu as quitté ta maison. Et tu es venu pour rencontrer Dieu. Amen. Et Dieu, c'est la parole. Quelqu'un peut donner un puissant amen? Amen. Oh my God. Écoutez ça. Écoutez ça. Oh là là. Il faut vraiment s'y mettre. Il dit, vous montrez à Dieu que vous l'aimez. Dieu nous avait donné un message comme ça, non? Je veux voir ceux qui m'aiment. Ils doivent venir à 16h. Branham confirme ça. Quand tu viens à temps, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Surtout ceux qui assistent aux 30 minutes de méditation. Tu es là, dans l'atmosphère. Pas de distraction. Vous savez pourquoi certaines personnes sentent l'onction et d'autres non? C'est la distraction. Comment tu t'es préparé pour venir amen à l'église? Amen. Et quand tu es assis là, où est ta pensée? Sois béni. Amen. Frère Branham dit, vous l'aimez. Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Retire quelque chose de cette réunion. Retire une bonne chose de cette réunion. Amen. J'ai voulu encourager tous mes les bien-aimés qui viennent à l'église le mercredi et le vendredi. Et à cause de vous, de votre sacrifice, je vais prêcher aussi des choses profondes. Quelqu'un me permet ça? Ok. Alors, cet après-midi, ou ce soir, j'aimerais vous parler sur les sacrifices qu'offrent les sacrificateurs aujourd'hui. Les sacrifices qu'offrent les sacrificateurs aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut déjà donner un bon amen à ce sujet-là? Amen. Très bien. Suis-moi maintenant. Suis-moi. Ça sera très important que tu me suives. Nous avons lu avec vous. Tu peux voir bien. C'est bon. Hein, nous avons lu déjà avec vous dans Apocalypse 1, chapitre 6. Frère Bana, la Bible disait, Dieu a fait de nous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Est-ce que vous savez que vous êtes un sacrificateur? Est-ce que tu sais que tu es un sacrificateur? Et vous allez remarquer que Caïn était un sacrificateur. Celui qui fait des sacrifices est qui? Il avait offert aussi quelque chose à Dieu. Il avait fait aussi son offrande. Mais le problème avec Caïn, ce n'était pas l'action. Mais c'est ce qu'il avait mis. Amen. Donc, un sacrificateur peut manquer à son but lorsque le sacrifice ne correspond pas à ce que Dieu veut. Si tu es un sacrificateur, il faut que tu aies le sacrifice qu'il faut qui va
plaire à Dieu pour que ton sacrifice soit agréé. Et quand vous allez lire la Bible, Zacharie, Luc chapitre 1, verset 5, vous allez lire jusqu'en bas. Zacharie, l'ange ne l'a pas visité lorsque Zacharie était à la maison. Il y a longtemps qu'il était dans une affaire, qu'il avait un problème. Mais l'ange ne l'avait jamais apparu. Non. L'ange n'est jamais venu à Zacharie pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il parlait avec les gens. Non. L'ange a visité Zacharie lorsque Zacharie était en train d'offrir l'offrande du parfum. Pendant que le peuple priait et que Zacharie secouait le parfum, c'est là que Gabriel est apparu et lui a dit, l'ange lui a apparu. Moi j'avais lié. Il lui a dit, ta prière a été exaucée. Maintenant, ta femme sera enceinte. Hein? Il était en train d'offrir l'offrande de parfum. Alléluia. Pendant le sacrifice, l'ange apparut à Zacharie. Donc le sacrifice, c'est un moment important. Caïn a été rejeté à cause du sacrifice. Zacharie a reçu l'ange pendant qu'il faisait le sacrifice. Les enfants de Job ont été pardonnés à cause du sacrifice. Job lui-même était un homme intègre et droit à cause du sacrifice. C'est le sacrifice qui met la relation entre l'homme et Dieu. C'est à cause du sacrifice que tu peux parler, Dieu t'écoute. C'est à cause du sacrifice que tes péchés ne te sont pas imputés. C'est à cause du sacrifice que toi qui es un homme pécheur, là où les anges n'arrivent pas, toi tu arrives. C'est à cause du sacrifice. Chaque fois que Israël tombait, et quand Dieu voulait le tuer, il regardait le sang, le sacrifice, la colère de Dieu s'abaissait. Le sacrifice est la chose importante. Et dans le temps passé, les sacrificateurs, ils avaient le parfum. Ils avaient les animaux. Ils avaient des choses qu'ils offraient à Dieu, que le peuple amenait. Il fallait quitter un endroit pour aller voir un sacrificateur. Et quand tu arrives, si le sacrificateur n'est pas disponible, tu dois l'attendre jusqu'à ce qu'il soit disponible. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas facile de voir un sacrificateur. Il y a des gens qui attendaient et qui ne pouvaient pas voir un sacrificateur deux fois dans l'année pour la même erreur. Non. Si tu fais une faute en janvier 2022, tu ne dois plus refaire ça jusqu'en 2023. Et tu dois dépasser janvier. Là, le sacrificateur peut te recevoir. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur. Dieu n'a pas voulu que le sacrificateur la reste. Il t'a fait toi
un sacrificateur. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller voir un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Et pas seulement les hommes, même les femmes. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner un puissant amen? Amen. Vous êtes des sacrificateurs. Maman sacrificateur. Papa sacrificateur. C'est Dieu qui t'a fait. Au temps de Moïse, il fallait être d'une seule lignée. Il fallait être un lévite pour avoir accès au sacerdoce. Mais aujourd'hui, que tu sois têté par Congo Moshi, je fais de toi un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi l'église. Il n'y a pas de tribalisme. Amen. Tribalisme. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. À l'église, il n'y a pas de tribalisme. À l'église, il n'y a pas de gens de tel clan. Nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Ce qui nous relie, c'est le message du temps du soir. Et le message, quand tu l'écoutes, quand ton cœur est ouvert, Dieu ne met pas en toi la nature de Bakongo ou la nature de Moshi. Je mets en toi la nature du ciel. Amen. Il n'y a pas un salut pour les Bateke, un salut pour les Moshi. Non, non, non. Nous avons un même salut. Vous êtes un. Et le sacrifice aujourd'hui. D'abord, vous devez savoir que vous êtes des sacrificateurs. Que quelqu'un accepte ça avec un amen. Je suis sacrificateur. Frère Branham dit ceci. Les exposés de cet âge de l'église. Il dit au paragraphe à page 35, paragraphe 2, il dit, Apocalypse chapitre 1, 6, là on a lu. Il dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Écoutez ça. Il a fait de nous. Madame dit, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Ah! Amen. Il y a des vérités. Il ne faut pas passer ça comme ça. Il faut mettre l'accent. Et ce soir, nous allons mettre l'accent sur cette vérité. Il ne faut pas faire ça passer comme ça. C'est une vérité. Frère Madame dit, lui, celle-ci, ah non, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Celle-ci en est une. Est-ce que quelqu'un croit que c'est une vérité? On est une. Amen. Lui, il a fait de nous. Tu n'es pas sacrificateur par toi-même. Tu es sacrificateur parce que Dieu t'a fait. Là-bas, c'était Aaron qui faisait. C'était Aaron qui oignait. Mais chez nous, c'est Dieu lui-même qui t'a oint. Aujourd'hui, personne ne peut t'enlever. Dans le sacerdoce d'aujourd'hui, tu as ta place. Alléluia. Amen. Écoutez. Frère Branham dit, celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Au paragraphe 36, à la page 36, il dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Oui, des sacrificateurs pour lui. Quelqu'un croit que Dieu a fait de lui un sacrificateur? Amen. Maintenant, tu es sacrificateur. Là-bas, ils offraient le mouton. Donc aujourd'hui, nous tous, on va aller au marché. Mais le mouton coûte maintenant 100 000. On n'a pas l'argent pour payer le mouton. Merci Seigneur. Ceux qui n'ont pas l'argent, Dieu a pensé à nous. Dieu ne veut pas que tu puisses aller payer un mouton aujourd'hui. Jésus-Christ était déjà mort. Et il est la vie éternelle.
Le sacrifice parfait a été donné. Mais écoute-moi bien. Alléluia. Amen. Écoute ça. Toi aussi, tu as un sacrifice. Parce que tu es sacrificateur. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrificateur sans autel. Il n'y a pas de sacrifice sans un sacrificateur qui l'offre. Maintenant, suis-moi bien. Quel est ton sacrifice? Parfois, tu oublies ça. Écoutez ça. Frère Madame dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Oui, des sacrificateurs pour lui. Offrant la louange spirituelle des lèvres sanctifiées. Est-ce que tu vois ton sacrifice? Ton sacrifice, c'est pas un mouton. Ton sacrifice, c'est la louange. Voilà pourquoi chaque jour tu dois louer. Lorsque tu loues le Seigneur, c'est le moment où tu sacrifies ton sacrifice. Voilà pourquoi c'est important de chanter. Vous allez comprendre ça. Il lui dit, offrons au Seigneur l'offrande de sacrifice, la louange spirituelle des lèvres sanctifiées. Dédions notre vie comme une offrande agréable pour lui. Adorons en esprit et en vérité, intercédant et suppliant des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Pas étonnant que le monde ne nous attire pas. Et que nous soyons des gens singuliers. Quand tu reçois ce message, amen, totalement, tu ne seras pas compris par les gens. Tu n'es pas compliqué. Tu n'es pas méchant. Mais quand tu reçois le message, ce que tu comprends, l'autre ne comprend pas ça. C'est un monde. Il dit, le monde ne nous attire pas. Nous sommes des gens singuliers, zélés pour les bonnes œuvres. Nous avons été récréés. Quand tu reçois Jésus dans ton âme, on te récrée. Et dans cette nouvelle création là, tu n'es plus l'enfant de ma intel et de ta intel. Tu es l'enfant du Seigneur Jésus Christ. Amen. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Corinthiens 5, 17. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu reçois ce message, quand tu reçois la nouvelle naissance, quand ton âme s'adapte à la parole, tu es récréé. Frère Banam dit, tu es récréé. Il dit, nous sommes récréés en lui. Il dit, en lui pour être les enfants semblables à notre Père. Quand tu es récréé, tu es semblable au Père. Écoute ça. Frère Banam continue. Quel est ton sacrifice? Qui est le sacrificateur aujourd'hui d'abord? C'est toi. Qui est le sacrificateur aujourd'hui? Moi je suis sacrificateur. Qui est le sacrificateur? Qui croit ça? Quel est ton sacrifice? Ce sont les fruits de tes lèvres. Les fruits. Caïn n'avait pas trop tort. Caïn n'avait pas trop tort. Il avait donné les fruits, mais quels fruits? Quand tu as
Voilà le sacrifice de tous les jours. Ce que Dieu attend de toi. Écoutez ça. Frère Branham dit, le temps de la fin, la brochure, le temps de la fin, au paragraphe 50, il dit, je vais lire en bas. En fait, nous sommes tous dans le sacerdoce maintenant. Ah, très bien. Qui croit ça? Nous sommes maintenant dans le sacerdoce. Chaque homme et chaque femme qui entre dans ce sacerdoce, nous sommes un sacerdoce royal, une nation particulière, offrant des sacrifices spirituels. Quels sont les sacrifices spirituels? Les fruits de nos lèvres. Donnons louange à son nom. Chacun de nous est un sacrificateur. Aujourd'hui, tu es sacrificateur. Quand tu es né de nouveau, je vais aller un peu plus loin. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dimanche. C'est une fonction. Et vous savez, dans l'ancien temps, c'était le seul qui mangeait la manne qui était cachée dans l'arche de l'Alliance. Quand le sacrificateur avait 30 ans, on l'amenait maintenant pour rentrer dans le sacerdoce. C'est là qu'on ouvrait le pot de la manne. La manne cachée. Et toi, quand tu es sacrificateur, tu ouvres sa manne cachée. Et il te dit de mettre la main et de manger. Reçois ta place. Place de sacrificateur. Chacun de nous est un sacrificateur. Celui qui est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es sacrificateur. Madame continue. La foi est une ferme assurance au paragraphe 35. Il dit ceci. Il dit, nos corps subissent et nous avons un héritage. Et nous sommes maintenant les enfants héritiers du royaume. Oh là là! Roi et sacrificateur de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Que fait un sacrificateur? Branham pose la question. Que fait un sacrificateur? Il offre un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? Ton sacrifice à toi, c'est quoi? C'est ce que font les fils et les filles. Et ses filles. Qui sont rois et sacrificateurs. Pas encore en pleine mesure. Mais ils offrent des sacrifices. Offrant à Dieu des sacrifices spirituels. Les fruits de nos lèvres. Lui donnant louange. Amen. Les fruits de nos lèvres. Chaque fois que tu chantes, c'est un sacrifice que tu es en train d'écorcher. Chaque fois que tu loues le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui a mis l'agneau sur le sacrifice. Et ce que j'aime, quand Élie a répandu l'autel, il fallait qu'il mette le sacrifice et le feu est descendu. Et dans ta maison, tu peux faire descendre le feu quand la louange est bien faite. Quand vous chantez correctement, papa, maman et les enfants, le feu descendra. Amen. Sacrifice. Depuis quand tu as sacrifié? Sacrifice. Il y a des choses qui sont simples, mais ça renferme beaucoup de bénédictions. Et le diable connaît les choses parfois. Il sait que si tu chantes, tu vas vaincre. Il te met la lourdeur. Il met la fatigue. Il met beaucoup de choses. Quand tu veux chanter, tu penses à aucun problème ne peut résister devant toi. Lorsque tu te mets à chanter, quand il y a les troubles, quand il y a des situations que tu ne comprends pas, quand tu as essayé, ça n'a pas marché, reviens à la charge. Commence
louer. Après, il n'y a pas au même endroit. Quelque chose va se passer. Amen. Quelqu'un peut donner un puissant amen. Suis ça. La madame dit, le fruit de nos lèvres, vous dites, vous dites, frère Branham, je ne suis pas porté à le louer. Je ne suis pas porté à le louer. Frère Branham dit, il est temps de faire le sacrifice. Il est temps de faire le sacrifice. Il est temps. Amen. Il est temps de faire quoi? Amen. Le sacrifice. Madame dit, louez-le de toute façon. Dans sacrifice, c'est la louange. Dans sacrifice, c'est l'adoration. Dans sacrifice, quand tu ouvres ta bouche et que tu chantes. Ne ferme pas ta bouche. Ta bouche n'est pas là seulement pour parler du problème. Ta bouche est là pour louer le Seigneur. Ta bouche n'est pas là pour parler mal des gens. Ta bouche est là pour louer le Seigneur. Ta bouche n'est pas là pour critiquer. Ta bouche est là pour louer le Seigneur. Amen. Tu dois le louer. C'est ton sacrifice. Depuis le matin jusqu'à 7h. Tu as fait combien de sacrifices? Écoute ça. Il est temps pour vous de, le faire. Louez-le de toutes les façons. Roi et sacrificateur. Fils et filles. Enfants et sacrifice spirituel. Les fruits de nos lèvres. Qui louent son nom. Frère Madame continue. Il dit dans les 7 ans de l'église, au paragraphe 83, la brochure. Il dit, quand une petite confusion surgit dans l'église, vous ne vous mettez pas vite à l'écart pour bouder. Un sacrificateur ne se comporte pas comme ça. On dirait que quelque chose n'a pas bien marché. Oh, je ne suis pas d'accord avec l'église. Oh, non, non, non. Je n'ai pas écouté votre amen. Amen. Panam dit, ça surgit dans l'église. Vous ne pouvez pas aller vous mettre là-bas pour bouder. Si vous le faites, vous n'êtes certainement pas un sacrificateur. Amen. Quand tu boudes là, tu n'es pas sacrificateur. Un sacrificateur ne boude pas. Un sacrificateur ne parle pas derrière le dos. Un sacrificateur, c'est quelqu'un d'honnête. Amen. Frère Madame dit, voyez-vous, priez jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le message, toi, sacrificateur, fais quelque chose. S'il y a quelqu'un qui se comporte mal, toi, sacrificateur, fais quelque chose. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore affermi, toi, sacrificateur, fais quelque chose. Amen. Même avant d'aller voir une personne qui fait mal. Est-ce que tu as pris au moins 5 minutes pour prier pour lui? Tu es rentré seul dans ta chambre. Et tu as dit, Seigneur, regarde mon frère là-bas, ma soeur là-bas, j'ai mal. Nous sommes pressés à condamner. Écoutez ça bien. Tout celui qui fait le mal, c'est parce que le mal est en lui. Quand le mal n'est pas en toi, tu ne feras pas le mal. Et vous ne pouvez pas condamner un fou. Parce que ce n'est pas lui-même qui fait ça. C'est un esprit qui nous conduit à faire ça. Et si tu ne peux pas condamner un fou, tu ne peux pas condamner ton frère. Parce qu'il y a quelque chose de mauvais en lui qui nous fait agir comme ça. Si nous comprenons ça, nous allons aider nos bien-aimés. Amen. On ne se met pas à côté pour insulter. Non. Madame dit. Il dit. Hein, voyez-vous? Vous n'êtes pas sacrifié. Voyez-vous? Vous devez prier jusqu'au bout. Des sacrifices.
spirituel. Les fruits de nos lèvres. Rendons gloire à son nom. Voyez-vous, ce que je veux dire, est-ce que l'Église comprend ce que Branham veut dire? Est-ce que vous avez suivi? Branham continue. Eh bien, direz-vous, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'Église. Quelqu'un va dire ça. Ah, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je suis fatigué de l'église. Balembaka église. Amen. On ne se fatigue jamais de l'église. Amen. Okoko lembakolia. Tu peux te fatiguer. Okoko lembamakambotu. Tu peux te fatiguer. Mais balembaka koya l'église. On ne se fatigue jamais d'aller à l'église. Parce que c'est toi qui as besoin de Dieu. Pour yobo te la posta zambi. Pour te réveiller, tu as besoin de Dieu. Pour bouger ton doigt, tu as besoin de Dieu. Même celui qui ne prie pas, c'est Dieu qui le réveille chaque matin. Amen. C'est l'ignorance qui nous fait ça. C'est pour toi-même. Que Dieu nous ouvre les yeux à voir Dieu partout. Tu n'es pas là de toi-même. Amen. Vous savez, avec la charge que Dieu m'a donnée là, quand j'écoute les requêtes chaque jour des gens, après je dis merci au Seigneur. Quand j'ouvre mon téléphone, les messages des malades. En France, en Chine, Côte d'Ivoire, Sénégal, Pointe-Noire, Dolisie. Hein? Mais apparemment, il n'y a que moi qui ne suis pas malade. Si tu as la vie en toi, sois content. La vie là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et la vie est plus que les vêtements. La vie est plus que la nourriture. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas t'habiller. Reçois d'abord la vie que Dieu te donne. Sois reconnaissant pour la santé que tu as. Tu n'es pas allé sur un hôpital. Alléluia. Amen. Écoutez, même à l'hôpital, quand tu occupes un lit, 5 000 par jour. 5 000 dans mon colo moko côté hôpital. Un lit seulement. 5 jours. Même si tu meurs, ta famille va payer ça. Attends, coupe de bois, t'as nul foutre un mais mon lit là, je ne paye pas ça. Je dors là tous les jours, je me réveille. Il n'y a pas une facture de lit. Jésus, merci pour ta grâce. Toi que Dieu a réveillé, sois content. Les lits de nos maisons ne sont jamais payés. Nous dormons là tous les jours. Nous nous réveillons. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec la facture. Si Jésus me donne la vie, je dois me réjouir. Même si je n'ai pas encore le travail, je dois me réjouir de la vie. Parce que le mort ne travaille pas. Amen. À Kinshasa, en RDC, il y a un monsieur qu'on a nommé ambassadeur. Dès qu'on l'a nommé là, c'est parce qu'il y avait Essengwezare Kukuna Akufi. Amen. Essengwezare Kukuna Akufi. Donc, il a. Kumbuka ya pamba. Il n'a même pas commencé. Il est mort. À quoi sert la nomination? Bongo. C'est pour rien maintenant. Que Dieu te fasse découvrir. Que la vie que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là-bas? Tes inquiétudes là doivent s'arrêter. Tu t'inquiètes plus que ta vie. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Leur problème c'est seulement se réveiller. Leur problème c'est seulement s'asseoir. Et toi tu t'assois, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves. Reçois d'abord ce que Dieu te donne. Amen. Je suis heureux. On ne m'a pas soulevé. Je suis heureux. On ne m'a pas pris pour m'amener à l'église. Je suis heureux. C'est moi-même qui mange. Je suis heureux. On ne m'a pas mis une piqûre. Je n'ai pas de perfusion. Je ne marche pas avec un sachet. Là où va les urines, là où va les matières fécales. Je marche normalement. Louez Dieu d'abord pour ça. Fais un sacrifice pour lui. À cause de la santé. Amen. Nous oublions ça souvent.
Et c'est devenu comme une habitude. Et comme le collabo, vous prenez les chansons de la base. Là. Vous avez la base de les chansons de. Comment vous appelez ça ici? Elle et moi. Quoi? Ah ouais, il y a passé la bande. Passer la bande. Ah, la passer la bande. Pas de papier. Vous avez la papier. Ils ont la papier. Le monsieur là qui conduit là n'a pas de permis. Vous savez ça? Oui, bien beau. Amen. Vous rentrez à l'intérieur, vous êtes assis comme oh, ça. Celui qui t'amène là ne connaît même pas. On a pris l'essence qui doit rester dans le réservoir, on a mis ça dans le capot. On a mis un bidon là-bas au moteur. Et toi, tu es assis là. Moindre étincelle de feu, c'est toute la voiture qui prend feu. Et il y a même certains sons sonnants, il faut que quelqu'un vienne ouvrir. Tu ne connais pas l'état des freins. Et vous descendez la montagne de Sinaï 17 avec vitesse. Qui te garde? C'est ton Dieu qui est là. Amen. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, mon ami. C'est Dieu qui nous garde. Est-ce qu'il mérite le fruit de nos lèvres? Est-ce qu'il mérite que nous puissions faire des sacrifices? Alors tu dois le louer avec joie. Ne soyez jamais triste. Frère Banam dit ceci. Oh, je n'irai pas à l'église. Frère Banam, je n'ai pas vraiment envie d'aller à l'église. Banam dit. Mais vous êtes un sacrificateur. C'est votre devoir. Vous devez être là. Est-ce que les sacrificateurs sont là? Tu es là parce que tu dois faire un sacrifice. Tu es venu ce soir pour faire un sacrifice. Amen. Et ce que j'aime avec le sacrifice, tu peux faire les sacrifices pour tes enfants. Tu peux faire les sacrifices pour ta famille. Tu peux chanter. Et ta famille sera libérée. Toi seul. Que quelqu'un me dise un grand amen. Madame dit. Quelqu'un va dire, eh bien, je n'ai pas vraiment envie d'assister à ce service. Oh, je n'ai pas envie d'assister à ce service. Banam te dit, mais vous êtes un sacrificateur. Offrant un sacrifice. Un sacrifice spirituel. Non pas donner quelqu'un. Quelque chose de seconde main. Comme on appelle ça aujourd'hui. Cela est tout à fait bien. Je n'ai rien contre cela. Non pas amener quelqu'un à venir à l'église. C'est tout à fait bien. Je n'ai rien contre cela. Mais il s'agit de vous. Amen. Tu peux amener même 1 million dans la poche pour venir mettre dans l'offrande. C'est bien. Mais le sacrifice est d'abord toi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour entrer dans ce monde. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu. Vous faites. Me voici, oh, me voici, oh, c'est, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Tu es là pour quoi? Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que toi, tu dois le louer tous les jours. Tu dois le louer. Quand on vient à l'église, il faut oublier les galons. Il faut oublier ce que tu es. Ce que tu es ne dépasse pas Dieu. David avait compris ça. Malgré qu'il était roi devant l'arche, il est devenu un petit enfant. Même sa femme l'a traité de minable. Écoute-moi.
Dieu est plus important que ta vie. Dieu est le seul. Si tu te perds, il va te retrouver. Dieu est le seul qui peut te suivre dans la mort et te rattraper et t'amener au ciel. Ta vie sans Dieu n'a pas de sens. Alors quand il s'agit de Dieu, j'ai suivi une vidéo. Comment vous l'appelez là, le roi de Belgique qui est arrivé à Kinshasa. Et après, je ne sais pas, j'ai vu le roi était là et le président de la RDC aussi était là. Et les gens étaient en train de leur filmer. J'ai vu le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mobila, en train de chanter. Fatih Béton et Béton, Fatih Béton. Gouverneur. Quand il a vu son président, il oublie ses galons. Il est devenu comme un petit quinoa. Fatih Béton. C'est ce que nous devons être devant Dieu. Dieu en a besoin. Tu dois chanter, mon frère. Ne fermez pas la bouche à cause des problèmes. Au contraire, vous devez chanter. Quand la maison, il n'y a rien à manger, chantez. Vous allez voir quelqu'un avec la nourriture. Bonsoir. Chantez d'abord. Chantez quand il y a des situations. Chantez quand les gens te critiquent. Chantez quand il y a des problèmes. Lève-toi, chante. Ta louange va créer des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Chante. Ne ferme pas la bouche. Ouvre ta bouche et chante. Amen. Écoutez ça. C'est trop joli. Frère Madame dit, chantez. Non, pas donner à quelqu'un une chose de seconde main. Ne chante pas. Amen. Ça, c'est seconde main. Seconde main aux autres, ça. Même une taba où il y a les colébouk, on a pas pesé en Zambété. Une taba où ils en ont lissé au moko, on a pesé en Zambété. Taba où ils en ont lissé au moko, on a pesé en Zambété. Dieu a besoin de sacrifices complets. Et toi, ton sacrifice, c'est tabanayo et sa louange. Alors, ezangali tout ité. Amen. Sinon, tu es rejeté. Quand ta louange manque l'œil, tu es rejeté. Nalingi inkoloye. Nalingi. Tabay koufi. Moye ba yambango. Exact. Tu dois donner un sacrifice complet. Tu ne fais pas ça pour moi, le pasteur. C'est un sacrifice pour aujourd'hui. Tu ne fais pas ça pour que celui qui est à côté de toi te voie. Tu le fais à cause de ton créateur. Tu chantes pour que Dieu voie. Que tu l'aimes. Amen. Nous chantons mal parce que nous ne savons pas à qui nous adressons les lois. Président Mabiso Yakawa. Notre président qui vient ici. Après, papa s'assoit téléma. Et téléma. Et tout s'assoit. Après, tu dors encore. Est-ce que le président va donner quelque chose? Il va te regarder et dire, oh, celui-là, c'est qui? Frère, il faut bien danser. Tu vas faire sortir l'argent qui est dans la poche du président. Ta manière de chanter, ta manière de louer. Il regarde, mais ça, c'est un homme important. Mais la manière qu'il danse là, mais c'est un directeur. Je lui change encore des grades. Frère, tu dois bien louer Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ange sera à côté de toi. Parfois, quand vous chantez, l'ange vous regarde. Chante bien. Chante bien. Tu as le droit de chanter. Frère Bana me dit. Alléluia. Oh non, pasteur. Madame dit.
Pas donner quelque chose de seconde main. Non pas amener quelqu'un à l'église. Il ne s'agit pas de ça. Il dit, offrant des sacrifices, le fruit de vos lèvres, rendons gloire à son nom. Nos corps soupirent. Et nous avons un héritage. Et nous sommes maintenant les enfants. Des enfants héritier du royaume. Oh là là, roi et sacrificateur de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Que fait un sacrificateur? Il offre un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? C'est ce que font les fils et les filles de Dieu. Ce sont des rois sacrificateurs. Ah, pas encore en pleine mesure, j'ai déjà lu ça. Écoutez, frère Branham dit dans question et réponse, au paragraphe 90, il dit ceci. Vous dites, eh bien, j'irai à l'église. Je louerai le Seigneur si j'ai envie. Quelqu'un, ah, parfois le Jack passe à côté de toi. Je me rappelle quand maman m'a mené à l'église catholique. J'étais tout petit. Il y avait un monsieur là, c'était un Jack. Est-ce qu'il y a des Jack à l'église catholique? Maman, comment on les appelait là? Le monsieur qui passait là, qui prenait les offrandes. Jack. Ma maman a dit que c'était un Jack. Je l'aimais. Quand il passe à côté de toi, si tu te vois là, il fait. Donc tu es obligé de faire les mains comme lui. Tant que tu ne tombes pas, lui, il ne va pas partir. Tu dois faire ça. Et que Dieu nous donne aussi des jacques comme ça. Pendant que tu as la louange, il marche là. Tu dois louer le Seigneur comme il faut. Nous ne devons pas rater une louange ici. Surtout nous que Dieu a sauvés. Nous que Dieu a rachetés. Nous que Dieu a parqués. Sortis. Amen. Nous qui avons subi des choses, notre louange doit dépasser l'église qui n'a jamais subi ça. S'il y a une église qui doit bien louer, c'est le Mont Carmel Tabernacle. Quand on arrive en écoute, il n'y a pas quelqu'un à l'hôpital, il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Toute l'église est là, tout le monde est en train de chanter. Ah, que la louange monte! Que la louange monte. La vraie louange. Pas une louange à moitié. Quand Dieu vient ici, quand il regarde partout, là-bas on n'a pas bien loué. Il dit, oh là, ce que je fais, je n'ai pas beaucoup fait pour eux. Mais là-bas, il peut même inviter le diable. Le diable peut lui dire, mais regarde ici là. L'église ne te loue plus. Il dit, oh, j'en ai une. C'est sur la montagne. Tu vas les voir. Chez eux là-bas, je n'ai pas permis à l'un d'eux d'entrer à l'hôpital. Je n'ai pas permis que l'un d'eux meure. Je les ai tous gardés. Ils sont tous en bonne santé. Ah, il va me louer. Amen. Je ne sais plus quelle date où j'étais à l'hôpital pour prier pour une brebis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle date j'étais à l'hôpital. Oh, Seigneur. Je vais seulement là-bas pour les autres. Mais les brebis, ils ne connaissent pas ça. Même leurs enfants. Dès que tu tombes malade, il y a quelque chose qui te relève. Dès que tu tombes malade, deux jours. Que le Saint-Esprit puisse trouver sa place. Frère. Ta louange là n'équivaut pas à ce que tu as fait pour toi. Ta louange là est trop bas, est trop bas. Élève ta louange. Est-ce que je peux écouter un grand amen? Amen. Moi, je serai mort il y a longtemps. Avec toutes les attaques du diable. Il y a un frère qui a eu une vision ici. De comment on va dire le monde en haut. Le dimanche où je suis rentré là, quand je faisais la prière, Dieu lui a montré une vision. On était tous assis là. Il regarde comme ça derrière l'église. Il voit comme une ombre qui venait vers l'église. C'est comme un nuage qui bloque le soleil. Vision. Le monde. C'est un nouveau qui était là. Vision. Il voit. Le monde. Oh,
Dans la vision, il est sorti. Il arrive derrière l'église. Il voit un monsieur que je connais. Que vous aussi vous connaissez. Qui était en train de faire sortir les chauves-souris sur son habit. Et les chauves-souris ont fait un mur. Il voulait venir maintenant sur l'église. Mais quand j'ai dit au nom puissant de Jésus, les chauves-souris se sont éparpillées et le monsieur là, ses habits se sont déchirés. Et il a fui parce qu'il ne voulait pas que les gens voient la nudité. Et après, il a bien regardé. Il a vu que vous tous, nous tous, on était comme dans une boule de cristal. Personne ne pouvait nous toucher. Maintenant, une église comme ça, maintenant, laissez son louer Dieu. Sans sacrifice. C'est un nouveau. Ma chauve-souris. On a ce qu'elle a malade. Si c'est quelle maladie. Amen. Je ne sais pas. Nébité. Mais ça ne nous a pas atteint. Kasi ezwa ki bisote. Que Dieu soit loué. Zabe akubisama. Écoute ça. Ah, je vais terminer. Écoute ça. Yokambe. Il dit. Alobi. J'étais où là? Écoutez ça. Yokambe. Vous dites bien, j'irai à l'église. Oh, n'avoke l'église. Je louerai le Seigneur si j'ai envie. Nako sans la colo songi na yokibisa. Bien, maintenant. Siko. Hein? Bien, maintenant, un sacrificateur doit offrir un sacrifice. Et vous, l'assemblée, vous êtes des souverains sacrificateurs de Dieu. Vous, l'assemblée, vous êtes des souverains sacrificateurs de Dieu pour offrir un sacrifice spirituel. Ce sont les fruits de vos lèvres qui rendent la louange à Dieu. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici? Est-ce que les sacrificateurs sont là? Tu dois avoir les fruits de tes lèvres. Écoutez ça. Un jour, Frère Branham dit ça. Oh, je vais continuer dimanche. Il y a tellement de bonnes choses là. Avant que je ne vous parle sur le mariage de l'épouse et de l'époux. Alléluia! J'aimerais d'abord vous parler de la louange. Écoutez ça, Frère Branham dit dans jour, fait jour, victoire. Il dit, eh bien, Madame 92, il dit, eh bien, nous voyons que Josué juste à ce moment-là, priait le Seigneur, il lui dit, il est arrivé, il y eut un jour, il vainquit. Bon, je vais lire un peu le deuxième petit paragraphe qui est là. Il dit, lorsqu'Israël allait à la guerre, ceux qui avançaient en premier étaient des chantres. Ceux qui passaient en premier, c'est lesquels? Notre victoire se trouve avec qui? Les chantres. Ceux qui passent devant, c'est qui? Les chantres. Voilà pourquoi je ne veux pas quelqu'un de la chorale. Chorale fait ça. Chorale fait la moto. Il ne faut pas venir parler aux enfants. Laisse-la ou laisse-lui danser. Ce que ton bini a ouaté, ton bini a ouapi. Si on ne danse pas ici, on va danser où? Nous là, on n'a pas. Ah, maman. Amen. Nous là, on n'a pas quelqu'un qui nous protège. On n'a pas de fétiches. On n'a pas les zolokos. Tout ce que j'ai, c'est cette Bible que je traîne avec moi. Et le Seigneur Jésus dans mon âme. Amen. Pas de fétiches. Qui c'est un angézalité? Je n'ai personne. Je n'ai aucun oncle qui est là-bas. Aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, j'ai une seule personne. C'est celui que je loue là. Si vous, vous avez des gens, moi, je n'en ai pas. Alors, ma louange est différente de ta louange.
Toi, quand tu chantes là, tu connais, nous connaissons les moi, je n'en ai pas. Soit que si m'ingal le loi, si mon toit personne. Soit que nous en bas, si Dieu n'est pas là. De toute façon, dans la famille, aussi, vous êtes haïs, on vous jalouse aussi. Amen. C'est seulement Dieu. Ah, louez-le. Sans loue-le correctement. Sans zolaye, malamu, malamu. Depuis un certain moment, ta louange est faible. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais fais les sacrifices. Fais les sacrifices. La vie va changer. Il y a des démons qui vont te quitter à cause de ta louange. Les chantres passent devant. Et les chantres passaient devant en chantant. Ils sonnaient de la trompette. Et tout. Oui, l'arche avançait. Les chansons même devant la parole. Les chansons devant la parole. Devant Dieu. Il y a d'abord des cantiques. Parce que l'arche c'était Dieu. Mais les chantres passaient devant. Alors les chansons, ce n'est pas quelque chose à jouer. Hein. Puis l'arche s'avançait. Et alors, quand l'arche s'avançait, ensuite on l'a déposé par terre et la bataille commençait. Quand tu as bien loué Dieu, Satan ne peut pas te vaincre. Le Branham est dit, David, avant de tuer Goliath, il avait d'abord chanté. Quand Saoul était possédé par un mauvais esprit, pour chasser ce mauvais esprit, David avait chanté. Amen. Quand il y a la mauvaise humeur, tu as eu une chaude journée. Et l'on a eu commis. Vous avez senti que à bientôt on refine la moto. À bientôt on l'ouvre l'eau comme Yemba. Amen. Yemba. Ne reste pas bouche bée. Sinon tu vas faire une bêtise. Ton mari a prononcé une parole qui t'a blessé. Ta femme t'a prononcé une parole qui t'a blessé. Ton enfant a prononcé une parole qui t'a blessé. Ton chef au travail a prononcé une parole qui t'a blessé. Avant que tu ne fasses une erreur, chante. Yemba. Amen. Chante. Yemba. Alors Mouna, zoba ya mwasi. Quitte là, idiote, femme idiote. Colonna ye, pona lo lendote. Colonna ye, lo poete o kambanga in colo. Colonna ye, sungavo moinanga. O banana yo moko, moko kambabango. Lomakuna, zoba moi si. J'ai un père dans l'au-delà. J'ai un père dans l'au-delà. A dit l'autre côté, un beau jour j'irai le voir. L'homme qui est dans mon sauvana, un beau jour j'irai le voir. Un beau jour j'irai le voir. Moyen silica, exalté. C'est impossible de te fâcher. Chantez mes amis. Il y a des vertus dans les cantiques. Il y a des vertus quand tu chantes. Amen. Même le soir à la maison. Attends, pourquoi réunion de famille. Papa prend le cantique. Maman dort. Maman prend le cantique. Maman dit le yembo. Papa dort. Tata va dire la porte. Les parents prennent le cantique. Papa, tu vas dire le yembo. Les enfants dorment. Et vous voulez les victoires dans cette maison. Mais sa mission est longue. Et longue est où d'Awapi. Quand on est en guerre, les chambres sont devants. Amen. Quand on est en guerre, les chambres. Sans devant. Amen. Mais toi, tu es là. Quand tu regardes. Non. Là, c'est une offrande incomplète que tu donnes. De seconde main. Un jour. Est-ce que vous pouvez suivre ça? Un jour. Colomban. Les exposés de cette salle de l'église. Au paragraphe 218, à page 218, paragraphe 2. Au cours d'un de ces voyages missionnaires, en s'approchant d'une ville fortifiée, Colomba, il trouva les portes closes
pour l'empêcher d'entrer. Mon ami, écoute bien la force qu'il y a dans le cantique. Colomba arrive pour prêcher. On a fermé les portes. Tu ne vas pas rentrer. On a fermé la ville pour qu'il ne puisse pas rentrer. Close les portes pour qu'il ne rentre pas. Il leva la voix en prière pour que Dieu intervienne et lui ouvre l'accès auprès des gens pour prêcher. Mais pendant qu'il priait, les magiciens de la cour, les magiciens de la cour firent un grand vacarme. Dès que Colomba veut prier, bon, je vais là pour faire quelque chose. Makelele. Un grand vacarme. Pour le déranger. Colomba entonna alors un puissant. Les magiciens sont en train de chanter. Ils sont nombreux. Colomba a dit, non, ça devient une guerre. Et dans la loi de la guerre, les chantres sont devant. Colomba entonna alors un cantique, un puissant. Et alors qu'il chantait, Dieu amplifia sa voix. Dieu amplifie sa voix tellement le volume de sa voix, il couvrit les cris des païens. Ce soir, lève-toi à la maison, tu dois chanter. Je vais amplifier ta voix et ça va couvrir tout ce que le diable fait. Satan ne t'aura plus. Chante. Pourquoi tu restes calme? La maison est en train de chuter. Et toi, tu restes là assis. Nous sommes là comme ça. Amen. Pendant que tu chantes. Pendant que tu chantes, je vais écouter ça. Zambé Nani wana zo yemba? Qui chante là-bas? Mais ça nani? C'est qui ça? La Brazzaville. Brazzaville, nani wana? Mais moi nan a un quel? C'est ton fils. Oh, Minukuna. Ton enfant. Toke tala. Allons voir. Et les enfants. Les gens qui n'ont pas mangé le matin. Les gens qui n'ont pas encore payé la maison. Mais qui chantent avec joie. Dieu va regarder. Maintenant, après que vous avez chanté, Colo Yesu, foutez la bison de quoi? Bon, foutango no kiss. Payez vite, payez vite. Avec une telle louange. Les gens du quartier savent que cela m'est loup. Après, ma yoga va payer, c'est pas moi, d'accord. À cause de loi, non. Je dois payer ça. Amen. Il faut attirer Dieu dans sa maison. Il faut attirer Dieu dans sa famille. Il faut attirer Dieu dans son foyer. Il faut attirer Dieu dans sa vie. Ne soyez pas des observateurs. Colomba n'est pas resté là. Comme les païens font du bruit. Il faut la kisango. Tu dois montrer ça. On accepte les gens. C'est pas une question de provocation. Bango va sortir en banzambe na bango. Gapena va sortir en banzambe na ngai. Je chante mon Dieu. Le païen à côté augmente son volume. Chamou kwale, yo po banduku na njambe. Gapena ngembo. Un jour, ta voix va dépasser le baf. Je n'ai pas écouté un amen. Je peux amplifier ta voix. Et le monsieur va dire, n'a que 4 musiques qui va gagner. Et toute la personne commence à t'écouter toi. Ton Dieu doit régner là où tu vis. Ton Dieu doit régner dans ta maison. Tu ne dois pas cacher Dieu. Amen. Est-ce que vous savez, quand vous laissez quelqu'un chanter pour le diable, et que toi tu es là, c'est le diable qui viendra. C'est une invitation. Tu laisses quelqu'un à côté de toi. Change ça. Mon Dieu. Oui.
Comme le diable ne peut pas rester là où il y a Dieu, il va fuir. Amen. Il va fuir. Akokima. Change. Yemaka. Lève-toi. Yelema. Change. Yema. Quand les choses vont mal, change. Quand le patron ne veut pas de toi, change. Quand la famille te rejette, change. Yemaka. Amen. Change. Yemaka. Colomba a chanté. Colomba yemaki. Dieu a amplifié son volume. Zamba, matisi, alléluia. Amen. De sa voix. Bon, il couvrit les cris des païens. Soudain. Soudain, les portes s'ouvrirent brusquement. Dès le même. Est-ce que quelqu'un croit que si il chante, les portes vont s'ouvrir? Si tu chantes aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Quelle porte qui est fermée devant toi? C'est quelle porte qui t'empêche de passer? Chante seulement. Ta louange aura de l'effet. Que Dieu vous bénisse richement. Ma louange aura de l'effet. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, mon zèle pour chanter doit revenir. Je dois le chanter. Le louer tous les jours. S'il y a quelqu'un qui doit chanter, Dieu, c'est moi. Pas une autre personne. C'est moi qui dois le louer. C'est moi. Que Dieu a donné cette mission. Sacrificateur. Je dois le louer. Je dois le glorifier. Je dois dire à Dieu ce que je pense. Dans mon cœur. Il faut que je le loue. J'ai des sacrifices à faire. Sacrifice à faire. Amen. On va chanter. Namakolo nangai. Namakolo ngai na kolanda Yesu mokondi. Quand nous chantons ça, comprends ce que tu chantes. Est-ce que dans ta vie, il n'y a que lui? Dans ma vie, alléluia. Dans ma vie, et moi, je veux chanter. Oh, dans ma vie, et moi je veux chanter. Jésus, oh oui, dans ma vie, oh oui, dans ma vie, et moi je veux chanter. Oh, Namakolo, 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 Akolanda, Akolanda, Yesu Mokonzi. Oh, Namakolo, 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 chante avec foi. Oh, Namakolanda, Yesu. Oh, Namatoyi, 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 Namoyoka, Ainakoyoka, Yesu Mokozi. Oh, Namatoyi, 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 Ainakoyoka, Yesu. Oh, Namonoko, 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 Nakoyembela, Nakoyembela, Yesu. Oh, Namiso, Namiso, oh, Namiso, Nakomona, Nakomona, Yesu. Oh, Namaboko, Namaboko, avec mes mains, Namaboko, Nakosimba, Nakosimba, Yesu. Oh, Namaboko, Namaboko, est-ce que tu peux secouer tes mains avec ces mains-ci? Oh, Nakosimba, Yesu. Oh, Namaboko, Namaboko,
Prions tous le Seigneur maintenant. Prions tous le Seigneur. Que Dieu te donne le sel, qu'il ramène le sel que tu as perdu. Prie, prie. C'est une affaire importante, c'est une vérité. Tu dois mettre l'accent sur ça. Prions tous le Seigneur. Thank you.
À la croix, ô mourir mon sauveur, où je criais pour me purifier, là le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Chantons gloire, gloire. Je suis incroyablement.
sur les incroyablement sauvé dans la douceur. Jésus est en moi. Oh oui, là, à la croix. Oh oui, ma reçu. Alléluia, gloire à son. Oh, chante en gloire. Oh, chante en gloire, gloire à son. Fontaine qui sauve du péché, oh fontaine qui sauve du péché, oh oui, je suis heureux d'y être. Plonger, oh là, Jésus, sauve-moi, alléluia, gloire, à oh oui, chante en gloire, oh oui, chante en gloire, toi, Maria. Oh, l'agneau immolé, là, je sens plus, appliqué à mon cœur. Oh, oui, toi, Maria, oh, ton amour nous est, ton amour. Oh, ton amour nous est, ton amour nous est. Oh, Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois notre sacrifice, Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de choses que nous oublions, alors que c'est des choses les plus importantes. Parfois nous nous battons pour beaucoup, alors que nous oublions l'essentiel. Ce soir, tu as voulu nous rappeler que nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas des gens qui doivent traîner. Nous sommes des sacrificateurs. Pas des sacrificateurs de n'importe qui, mais des sacrificateurs de Dieu. Offrons des sacrifices spirituels, les fruits de nos lèvres. Seigneur, après avoir compris ceci, nous chassons la lourdeur de nous. Après avoir écouté ceci, nous chassons la honte pour la parole dans nos vies. À cause de ce que nous avons appris ce soir, nous chassons le complexe, nous chassons l'orgueil, nous chassons l'arrogance. Si moi je ne chante pas, qui va chanter pour Dieu?
Je vois des gens dans les buvettes qui chantent pour les musiciens du monde. Je vois des présidents sur la piste avec leurs femmes en train de chanter, de danser. Et si eux, ils chantent, pourquoi pas moi qui ai reçu la grâce que Dieu vienne se révéler à moi. Seigneur, enlève la honte dans chacun de nous. Ça n'a pas de sens devant toi. Enlève l'orgueil en nous, Seigneur. Devant les cantiques de Sion, que chacun de nous oublie ses grailles. Que chacun regarde vers le ciel et qu'il chante. La lourdeur n'a pas de place. Nous avons compris que le diable garde la lourdeur là pour que nous ne puissions pas le chasser. Seigneur, nous avons compris que les cantiques peuvent ouvrir la porte. Là où il y a des portes fermées, il suffit qu'on chante, les portes vont s'ouvrir. Seigneur, laisse cette parole prendre vie dans chacun de nous. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous prend son sacrifice et il va l'offrir tous les jours. Quand la relation n'est plus bonne avec Dieu, que chacun prenne le sacrifice. Quand le diable nous combat, que chacun prenne le sacrifice. Quand il y a des turbulences par-ci et par-là, que chacun prenne le sacrifice. Seigneur, ce soir, nous voulons commencer à sacrifier, à prendre des sacrifices, des louanges, d'adoration, et pour les mettre sur ton autel, et pour te montrer combien de fois nous t'aimons. Merci pour ce rappel. Merci de nous avoir rappelé que le sacrifice est très important. Merci de nous avoir donné notre position, les sacrificateurs de Dieu, que cela prenne la place dans la vie de chacun, que cela prenne la place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le soutien. Je te loue pour ce que tu fais pour cette église, pour chacun de nous, Seigneur. Merci. Merci. S'il n'y avait pas toi, on ne sait pas où est-ce qu'on devait être. S'il n'y avait pas toi, Seigneur, on ne sait pas dans quelles conditions on devait être. À cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ta présence, à cause de tes bienfaits, à cause de ce que tu as fait, nous sommes heureux aujourd'hui de participer à ce grand sacerdoce. Enlève la honte, la honte de te louer, que ça nous quitte, que la honte nous quitte, la honte de te louer. Le complexe, l'orgueil, que ça nous quitte devant toi. Nous ne voulons pas être orgueilleux. Nous sommes rien devant toi. Merci Seigneur. Merci pour nous avoir rappelé cela. Que tu bénisses tes enfants qui sont ici. Que leur louange puisse chasser les mal. Au nom de Jésus. Merci Père. Accompagne-nous dans nos maisons. Et veille sur nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Seigneur, sur la base de ta parole, que les diacres prennent les paniers, venez ici, venez devant ici. Faites vite, mettez-vous ici. Chaque jour, quand je prierai, vous viendrez vous mettre ici. Frère Marie, tiens bien ton panier devant toi. Ok. Seigneur Jésus, voici tes serviteurs sont là avec les paniers, avec les corbeilles ou ce qu'on utilise pour prendre les offrandes et les dîmes.
Seigneur, que tu bénisses la main de chacun. Je n'oublie pas ceux qui ont envoyé leurs dîmes, leurs offrandes, que tu les bénisses. Que chaque personne qui a fait ce geste, qui fera ce geste aujourd'hui, qu'il soit béni. Seigneur, que tes bénédictions se répandent. Tu as dit que tu allais ouvrir pour nous les écluses des cieux si nous payons nos dîmes et nos offrandes. Que cette parole soit accomplie. Et en particulier aujourd'hui, que tu ouvres les écluses des cieux et que tes enfants qui payent leurs dîmes, qui payent leurs offrandes, qui vont le faire encore aujourd'hui, qu'ils reçoivent quelque chose de précieux qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.